biersommelier Ben Vinke en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. Michel, waarom moeten we toch al die plastieke dingen aandoen? Ja, Ben, dat is niet altijd misschien aangenaam en praktisch, maar dat is echt wel nodig. Hygiëne is ongelooflijk belangrijk in een kaasmakerij. Slechte bacteriën moeten we hier buiten houden. Het is een natuurproduct, Ben. Monsieur Stéphane, pouvez-vous expliquer un peu les différentes étapes dans le processus de fabrication d'un bon chimet lavé à la bière? Pour commencer, on a du lait de la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui va être écrémé, pasteurisé, auquel on va rajouter des ferments lactiques. C'est l'étape de caillage à laquelle on ajoutera une présure. Après ça, le caillé sera mis en moule. On pourra avoir notre beau fromage bien rond de 2 kg. Le fromage passera en saumure, c'est l'étape de salage notamment, de prise de fonte du fromage. À sa sortie, il sera lavé à la bière de chimée et après 25 jours d'affinage, il pourra être conditionné et sera disponible chez les crémiers. Un peu, c'est l'histoire. Est-ce que la bière et le fromage, qui était le premier À l'origine, en fait, les moines avaient une ferme. Ils ont commencé à produire du beurre, puis de la bière et du fromage. C'est à partir de 1872 à peu près. Donc, enfin, le vrai secret de ce fromage, c'est qu'il est lavé à la bière chimée. Exactement. La bière de chimée qui lui apporte ses arômes de houblon, une légère note d'amertume, ce qui ira parfaitement avec une chimée 500. Zeg, Michel, ik heb het geheim ontdekt, hè. Oh, Ben. C'est le lavage à la bière, hè. Je hebt vitamine meegebracht. Chimée, hè. Fantastisch, fantastisch. Hoe gaan we dat ermee wassen? Jij moet dat doen, hè. Voilà. On a mis la bière dedans. Et maintenant? Il reste... Vous mélangez, pour mélanger donc l'eau, le sel, les ferments, la bière. Et il ne reste plus qu'à laver les fromages. Et maintenant? Et maintenant, on prend les fromages, oui. On les lave sur chaque face et sur chaque côté. C'est l'odeur du chimé, hè. Dat is al de gerookte zaligheid van de chimé. Haast u, want ik kan niet wachten om dat te proeven. Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Voilà, Philippe. Merci. Et Michel. Oh. Donc, la chimé 500 et le fromage chimé lavé à la bière. Mais d'où vient ce fameux nom 500? 500. Ah, ben écoute... 500, en fait, le père Théodore, quand il a créé la recette de la triple en 66, il a fait qu'en petite bouteille. Et la grande bouteille a été réalisée dans les années 84 pour commémorer le 500e anniversaire de la principauté de Chimay. Pourquoi vous avez choisi ce fromage pour combiner avec cette bière? Parce qu'en fait, dans cette bière qui est aussi une blonde, il y a beaucoup de houblon, et donc l'amertume du houblon s'allie très bien avec l'amertume déjà naturelle du fromage, et c'est une très bonne combinaison entre les deux. C'est un fromage de qualité, Ben. Quand tu vois ici, voilà, les vaches sont là, donc le lait vient de la région. C'est un fromage vraiment de qualité, qui est très bon pour mettre sur des salades, et aussi... délicieux pour faire une raclette. Peut-être on va une fois goûter. De bier is zo droog, Michel. En uw mond heeft nog een vette film van die kaas. En dat droogt de mond helemaal op, dat bier, omdat dat zo lekker bitter is. Ik vind dat fantastisch. Une combinaison heureuse, hein. C'est vrai que c'est... C'est agréable, surtout la fraîcheur de la triple servie par ce temps-ci. Wat zeer plezierig is om te ontdekken, is het extra dat een korst weergeeft aan de kaas. Met korst past dat veel beter bij deze chimée. Mm-hmm. Dat korrelige, mm-hmm. Dat extra zout, die zouten toets. Dus ik zou zeggen, alsjeblieft mensen, leer uw kazen eten met korst. Korst of niet, Michel, ik denk toch dat het geheim van die kaas, hè, le secret de ce fromage, c'est vraiment qu'il est lavé à la bière de chimée. Et que ce sont les trappistes. Ils font à la fois la bière et le fromage.
une authenticité dans un endroit formidable. Qu'est-ce qu'il faut avoir ici? Cheers. Cheers. Ok. Cheers. Volgende week trekken Vinke en Van Tricht naar Frankrijk om er Cuvée du Château voor te stellen aan de makers van de Époisse kaas.